Salut les gars, voilà, c'est toujours moi, Sam Hospita. Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc, je vous présente ici la bourse de l'université Pardubice. Voilà, ça c'est en République Tchèque. Comme je vous l'ai dit, actuellement c'est la République Tchèque qui a activé assez de bourses. Mais en réalité, je fais cette vidéo-là pas vraiment pour une bourse ici. Non, mais j'ai fait cette vidéo là pour une admission et une bourse. Mais ce qui est plus important pour moi ici, pour cette vidéo là, c'est pour ceux qui veulent vraiment, qui cherchent vraiment des admissions pour aller étudier dans ces universités, dans ce type d'université là, dans ces pays assez développés. Voilà, donc ici, parce que je dis cela parce que ici la bourse, il n'y a pas assez de bourse ici pour tout le monde. Voilà, donc la sélection est hyper rude. Mais ce que je présente ici, c'est l'admission parce que cette université-là est hyper moins chère. Donc, ceux qui veulent vraiment aller pour aller étudier, voilà, vous pouvez aller tranquillement et sans souci. Donc, nous allons comme ça essayer comme ça de voir quels sont les éléments et puis quelles sont les facultés. Ici, par exemple, si vous voyez ici, ici, ce sont les facultés qu'il présente. Vous voyez un peu, il y a l'ingénierie et tout. Il y a même la médecine et tout ça, l'économie et tout. Voilà, et il y a aussi la... Maintenant, si nous on veut voir la bourse comme ça, on peut venir là dans Study, ici, et puis essayer de voir dans quelle partie on peut trouver la bourse. Si je viens ici, Study, ok, je vois ici International Student. Donc, je viens dans International Student ici, pour vous montrer un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin un peu pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Vous n'avez pas besoin de postuler à la bourse, vous avez besoin seulement de postuler à une admission, et ils vous diront si vous avez eu l'admission. Ok, et avec la bourse, voilà. Donc on ne possède pas une bourse directement ici. Vous n'avez jusqu'à faire quoi, à pouvoir postuler à l'admission et c'est tout. Donc ici, ça c'est pour l'admission, et puis voici l'élément d'admission ici. Voilà, donc si vous remarquez bien ici, vous ne payez rien, c'est à dire en ce qui concerne l'admission, vous ne payez pas grand chose, comprenez. Voilà, donc comment est-ce que vous devez faire pour voir l'admission? Vous allez d'abord chercher à postuler dans un premier temps dans une université. Vous allez envoyer vos documents à cette université-là. S'il y a un examen à passer en ligne, vous allez passer cet examen-là. Vous allez vérifier vos coordonnées. Et puis en plus, vous allez payer votre scolarité. Et c'est tout. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, à quel moment on paye la scolarité? On dit, after completing this step, the university will mail you a formal acceptance letter and you can apply for a visa. Donc une fois que vous allez finir tout ça, voilà, l'université va vous envoyer une lettre d'invitation. Ainsi, c'est comme un peu comme la Russie. Ainsi, vous allez pouvoir faire quoi? Vous allez pouvoir aller chercher votre visa. Maintenant, ce qui est plus important, c'est quoi? C'est la scolarité. La scolarité, quand je viens dans la scolarité ici, vous allez voir un peu en ce qui concerne les étudiants étrangers. Si vous avez bien regardé, vous avez bien vérifié, j'ai choisi étudiants étrangers. Donc en ce qui concerne les étrangers, ici on dit quoi? There's a fee for study in English valued by study program standard bra. Donc, vous avez, pour étudier en anglais, vous avez entre 2500 et 3500 euros chaque année. Et on dit ici, payment, attendez, je vais mettre en français. Comme ça, vous allez être sur la même branche que moi. Le paiement est dû après la réception de votre lettre d'acceptation et avant le début des cours. Vous comprenez un peu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne paye pas directement. Vous allez d'abord recevoir votre lettre d'invitation avant de pouvoir faire quoi? De pouvoir payer les cours. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre admission n'a pas marché, alors c'est pas la peine de se fatiguer à envoyer de l'argent. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça, c'est l'adresse. Donc vous n'avez pas besoin de tout ça. Ça, c'est l'adresse sur laquelle vous allez envoyer. De toute façon, si vous avez l'admission et que vous devez vraiment aller étudier, ils vont vous répéter cela encore, donc ça c'est pas un problème. Alors ici, si moi je viens par exemple comme ça, ici examen d'entrée, quel est le type d'examen dont ils sont venus parler ici? Ici examen d'entrée, je vais mettre en français. Ok, ici veuillez noter que réussir l'examen n'équivaut pas à l'acceptation de l'université de Paris, car toutes les autres étapes pour le processus d'admission doivent être également complétées par l'acceptation. Ok, je vais vous montrer un peu pour la bourse, comme ça vous allez comprendre un peu et puis vous allez pouvoir chercher à voir comment est-ce que vous devez postuler
répète, moi, ce qui est ici, ce qui est le plus important pour moi ici, c'est l'admission et non la bourse. Voilà. Donc, ici, par exemple, comme ça, si vous venez là, vous allez voir, il y a scholarship là. Donc, vous cliquez sur scholarship. Voilà. Et pour pouvoir postuler, c'est simple, hein. Je vais vous montrer aussi comment est-ce que vous devez postuler et tout ça. Et n'oubliez pas, les cours sont en anglais, il y a aussi des cours en tchèque. Si vous choisissez des cours qui sont en tchèque, alors vous serez obligé de faire une année de langue avant de pouvoir continuer vos cours. Voilà. Donc, ici, voici un peu la bourse qui est là. Donc, comme vous voyez là, la bourse, il n'y a pas assez de bourse. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment assez de bourse. Donc, moi, je me fixe sur l'admission pour ceux qui veulent vraiment essayer d'aller postuler pour l'admission. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Voilà. Donc, ceux qui veulent postuler, ça sera une bonne opportunité. Vous pouvez m'écrire inbox. Voilà. On va essayer de vous aider à pouvoir postuler. Maintenant, pour ceux qui veulent postuler eux-mêmes, qui veulent vraiment postuler eux-mêmes, je vous montre un peu comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir postuler vous-même. Donc, ici, si vous venez dans Admission Process, ici, vous voyez là, vous cliquez sur Apply, ici. Voilà. Et vous allez commencer à créer votre document et chercher à faire quoi? À apply. Donc, si il vient là, submit application, vous cliquez là, vous allez commencer à faire quoi? À remplir vos documents et tout, tout, tout. Je vais pas prendre assez de temps. Voilà. Je vais pas prendre assez de temps. Je vais comme ça essayer de vous montrer un peu comment est-ce que vous devez postuler. Sinon, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. C'est très classique. C'est la même chose partout. Vous allez d'abord vous enregistrer. Après cela, vous allez remplir tous les éléments qui sont là. Et c'est tout. Voilà, donc je ne vais pas prendre assez de temps sur ça. Ceux qui veulent vraiment postuler, vous pouvez m'écrire inbox. Mais de toute façon, je vais faire une vidéo ici pour ceux qui veulent vraiment postuler, pour que vous sachiez au moins postuler vous-même. Pour ceux qui veulent postuler eux-mêmes, je vais faire une vidéo encore. Vous allez postuler vous-même. Maintenant, pour ceux qui veulent solliciter nos services, vous pouvez m'écrire inbox. On va essayer de gérer ça un peu plus rapidement, un peu plus vite. Voilà, donc les gars, c'était moi, je vous plus tard. Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225.